On va pas trop se cacher, sur la deuxième mi-temps, on n'a pas beaucoup produit de choses. Il est certain que notre entame de match a été plutôt bonne avec un très joli but que l'on a pu inscrire. Et on était dans une bonne dynamique. Malheureusement, encore une fois, un but génial qui part en tout cas d'une frappe géniale sur le coup de pied arrêté, nous replonge un petit peu dans nos doutes, même si je pense que notre première mi-temps a une certaine consistance défensive. On donne pratiquement pas d'occasion à part le but et on a des situations sur contre qui sont vraiment intéressantes. Malheureusement, on finit pas très bien. Toute la deuxième mi-temps a été beaucoup, beaucoup plus poussive. Et on a clairement on est en convalescence et c'est des petits pas que l'on essaie de faire. C'est compliqué de reprocher quelque chose niveau mentalité, parce que je pense qu'on était présent, il y avait de l'envie, il y avait des courses, du combat, même beaucoup de combats, parfois un peu au-delà avec les nombres de cartons que l'on a pris. On ne peut pas reprocher aux joueurs d'avoir lâché ou de ne pas avoir voulu. Mais c'est vrai qu'au niveau purement du football et des occasions que l'on s'est créées, c'était assez faible. On n'a pas vraiment réussi à sortir des ballons avec la qualité du pressing de l'adversaire. Ça s'est retrouvé souvent à jouer des ballons directs sur notre attaquant. Mais comme on n'a pas une grande présence sur le deuxième ballon aujourd'hui, ça a généré quelques pertes. Donc ouais, c'est un point. Si on avait gagné la semaine dernière, ça aurait été un point correct. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, des petits pas pour avancer. Je sais qu'il n'y a pas le temps. Mais il va falloir qu'on évolue et qu'on progresse sur ce type de match. Non, la pression, elle est absolument très grande, elle l'est tout le temps. Il n'y a pas un match où il n'y a pas une pression sur notre équipe. C'est juste l'histoire et l'identité du club qui demande ça. Et donc oui, mardi, il faut absolument gagner. Mettre en place l'équipe qui sera capable de le faire, qui pourra le faire, et choisir les bons éléments. Voilà. J'espère que je pourrai être à la hauteur de ce choix et que l'équipe répondra sur le terrain et qu'on sera en mode combat pour mardi parce qu'en coupe, voilà, il y a une partie de qualité, mais il y a surtout une équipe, une partie de combat qu'il faut réussir à mettre sur le terrain.